Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Paroles de vérité. Nous recevons aujourd'hui le père Louis-Marie de Blinière, fondateur et prieur de la fraternité Saint-Vincent Ferrier. Et le père de Blinière vient de publier un tout nouveau livre, Le courage de la paternité, aux éditions Dominique Martin Morin. Merci beaucoup, mon père, de votre présence dans ce studio de l'Homme Merci nouveau. À vous. Alors que vous venez de Mayenne, de chez Méret-le-Roi, oui. Où est installée depuis 1979 la fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Et merci de nous proposer ce livre, Le courage de la paternité. Et je voulais justement vous demander pourquoi vous avez choisi ce titre un peu paradoxal, si on en croit votre préfacier, le professeur Jean de Vigry, qui nous annonce que c'est un livre en fait politique, et nous sommes face à un titre qui évoque plutôt la paternité, donc la famille, ou au moins la relation de l'homme avec ses descendants. Alors pourquoi ce titre et pourquoi le courage aussi de la paternité? Deux questions en une, mais vous êtes un fils de Saint-Dominique, donc vous ne serez pas... Je vais m'en sortir. Alors, vous évoquez la préface de Jean de Vigry. Pour moi, c'est presque une consécration. Enfin, j'ai une très grande admiration pour lui. Et j'ai moi-même été... j'ai su par des renseignements sûrs qu'il a beaucoup travaillé sa préface, comme tout ce qu'il fait. Et je pense qu'il a raison, son jugement par rapport à moi, et en effet par rapport à mon livre plutôt. Il y a en effet une mise en perspective de tout ce qui concerne la transmission de la nature humaine. Parce qu'au fond, si, comme je suis philosophe, entre autres choses, de formation, j'ai voulu remonter un peu aux sources des choses. Et qu'est-ce qu'être père? C'est en communion avec l'épouse, transmettre une nature humaine. Et alors j'ai cherché, c'était à l'occasion, ce livre était le livre lancé lors de ma conférence avec Patrick Buisson sur mai 68, en novembre dernier. Et j'ai repris tout ce qui était dans cet axe-là, depuis une conférence à Bruxelles en 87, jusqu'à une conférence au mai 68 à Toulon, 68. Et je me suis aperçu qu'au fond, l'axe est vraiment la transmission, donc paternité sans strict, sans large. Et m'appuyant sur une phrase de Noël Saint-Marc que je mets dans mon florilège de citations, c'est une des vertus qui manque le plus et qui est spécialement nécessaire pour transmettre la nature humaine. Il faut estimer qu'elle a de la valeur et que ça vaut la peine de franchir les obstacles de la transmission, soit au niveau strictement de la cellule familiale, soit pour tout l'entourage culturel et politique. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les jeunes pères de famille, ou même les pères de famille plus âgés, ou les prochains pères de famille, oui, ont une difficulté particulière, liée peut-être à la culture, à l'environnement, oui, à la situation politique, à la crise de l'Église éventuellement, à assumer cette paternité que vous définissez au sens large comme la transmission de la nature humaine. Mais quand on est père de famille, on ne réfléchit pas d'abord, on ne se dit pas d'abord que je vais transmettre la nature humaine. C'est pour ça qu'il faut des philosophes, des religieux, qui nous éclairent, et des journalistes comme vous, qui prennent du recul. Et je pense qu'il y a une difficulté, il faut du courage, peut-être un peu moins maintenant qu'il y a 10 ou 20 ans, parce que dans ma conférence avec Buisson, on ne m'a pas reproché, on m'a dit « Oh, vous êtes optimiste par rapport au pessimisme de Buisson ». Je dis « Non, je ne suis pas du tout optimiste sur le constat naturel », mais j'ai voulu donner les raisons de se battre, quoi, avec élégance et avec énergie. Et je pense que j'ai dit hier à nos jeunes professionnels, leurs conditions sont meilleures. Mais c'est parce qu'il y a eu ce travail, justement par les transmetteurs, par ces transmetteurs un peu isolés à l'époque, qui étaient Jean Bousset, Jean Madiran, d'autres soléniciens que nous avons répercutés, que notre famille de pensée, comme on dit, a répercuté en France. Et donc les conditions sont meilleures parce qu'il y a eu une certaine prise de conscience, comme un peu analogue à celle qu'il y a eu sur le communisme avec François Furet et puis Courtois. Donc il y a dépassé très largement nos milieux. Donc les conditions sont plus favorables, mais c'est un combat difficile. Pardon de vous interrompre, mais les conditions sont meilleures, mais en même temps, c'est aujourd'hui qu'on, ouais, parle de PMA, donc de disparition du père, alors, même dans l'acte de procréation. Très bien. Alors, elles sont meilleures dans un secteur. Enfin, Saint Thomas, vous savez, quand il répond à une objection, il dit sous tel rapport, c'est comme ça, sous tel autre. Alors, elles sont, on les met meilleures dans le secteur proche, c'est-à-dire les écoles, le réseau
de près fidèle aux pédagogies traditionnelles de la foi, qui dépassent de très loin la liturgie, est plus fort, plus officiel, plus visible, et peut être plus missionnaire, comme nous le constatons, nous, avec notre apostolat auprès des musulmans convertis, entre autres, mais aussi des agnostiques et des scientifiques. Donc, de ce point de vue-là, et puis j'ai remarqué, moi, quand j'ai fait ma fondation il y a donc 39 ans, je ne dis pas que l'intelligence était en odeur de... Enfin, avait du Roland Souffre du côté des tradis classiques des gens de droite. Il y a même un ami très cher, que je ne nommerai pas, qui m'a dit, mais... Il est tellement cher que vous ne le nommez pas. Non, il est très cher, parce qu'il a évolué, je pense. Et puis c'était une provocation, dans une conférence sur ma fondation, il dit, mais ça sert à quoi, votre doctrine, ça, voilà. C'est une provocation de Gaulois, si vous voulez. Mais maintenant, là, c'est au contraire. On s'aperçoit que les cafés cathés, les universités d'été, les revues et puis les systèmes internet de formation se multiplient. Donc il y a une vraie prise de conscience et une vraie soif qui est plus grande et plus facile à satisfaire maintenant. Ceci dit, les conditions d'ensemble ont descendu. Hier, dans ma conférence sur la crise de l'Église, je m'appuyais sur le constat, je dirais scientifique, si tant est que la sociologie soit une science, de Cuchet. Et je dis, Cuchet, c'est le Courtois ou le... Cuchet, donc Guillaume Cuchet, auteur de... Auteur de Comment notre monde a cessé d'être chrétien, qui montre que vraiment la rupture est arrivée forte en 65. Et à mon avis, c'est factuel. Hein. Donc de ce point de vue-là, les conditions sont plus difficiles, oui, c'est vrai. Mais en même temps, les troupes peuvent être plus facilement alertées. Et je dirais qu'avec, il faut voir le bon côté de ce qui pourrait être une structure de péché, d'Internet, des réseaux sociaux. Nous voyons-nous pour la Convention des musulmans. On a un amplificateur qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Vous voulez dire que l'Internet permet ouais. à ces musulmans dont vous parlez, par exemple... Moi, j'ai un exemple d'une Algérienne, je ne donne pas son prénom, mais qui a capté une radio satellitaire à Alger. C'était un prédicateur arabe, enfin, qui parlait dans son arabe plus littéraire du Moyen-Orient, comparant Jésus et Mahomet. Elle s'est dit, mais il a raison. Alors elle a cherché sur Internet, et elle s'est mise en contact avec nous, c'est-à-dire Notre-Dame de Kabylie, Eleutheros, Jésus le Messie, Mission, enfin tous les hommes de réseau qui travaillent pour l'accueil. Et elle est venue à Paris se faire baptiser. Elle est la seule baptisée de sa famille à Alger. Et ça, c'était impensable, d'autant plus que dans ces réseaux-là, nous avons des intervenants berbérophones ou arabophones qui peuvent trier pour voir quelle est la motivation. Donc on a une possibilité d'amplification de la transmission qui n'existait pas il y a 15 ans, ou il y a 20 ans. Alors revenons à votre livre, c'est un recueil de conférences. Hein, oui, vous, et de prédications. Et de prédications sur, oui. sur plusieurs années, qui abordent des thèmes assez variés, même voilà. s'il y a effectivement... Il y a un fil conducteur. Un fil conducteur. Vous souriez. Oui, avec de la bonne volonté, comme c'est le cas des lecteurs de L'Homme Nouveau, dont nous sommes de grands amis, donc ils vont lire, et de ceux qui regardent la vidéo. Parce que quand on m'a dit, voilà, on va faire une conférence avec Buisson, ce serait bien de lancer un livre. Et quelque chose d'un peu pour redonner du cœur au ventre aux gens. Et je me suis dit, bon, moi, ça me semble évident que la question du courage est fondamentale. Hein. Je cite, il n'y a pas seulement Tenoy de Saint-Marc, mais il y a aussi le père de Menache, un dominicain. Il y a beaucoup de monde, vous citez beaucoup de monde. Là, on s'appuie sur la grande tradition classique, sur la grande théologie, sur les grands auteurs, oui. Sur les grands témoins aussi. Vous avez une culture immense que vous mettez au service de tous les thèmes que Et c'est une joie. Que vous, parce que plus on les transmet, plus on s'aperçoit que c'est intéressant. Ce qu'on appelait la famille de pensée, je ne sais pas quel nom on peut lui donner, j'aime pas beaucoup le mot traditionaliste si on veut, enfin, moi je fais partie des gens qui l'ont fondé le traditionaliste, donc quand j'ai commencé il n'y avait pas de traditionaliste, quoi. Mais disons classique qui cultive la piété filiale, en effet est une famille qui est riche, et j'ai fait le florilège de citations et la bibliographie commentée qui est finalement assez ample, j'ai parcouru récemment, à la demande d'un jeune séminariste qui me disait « Donnez-moi des textes sur la virilité et des sources. » Oui, c'est l'un des thèmes, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà. C'est un des thèmes. Donc j'ai pris tout ce qui était dans cette ligne-là et j'ai pensé qu'il était important de prendre le recul de la vision politique parce que c'est la politique et justement l'art et voilà, la science sur le pratique qui est architectonique des autres et qui permet de bien voir l'échelle des valeurs civilisatrices, donc la sagesse, la vertu, la nécessité. Parce que si on isole la famille,
on risquerait de faire un discours, je ne dis pas doloriste ou intimiste ou gentil, enfin, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui que les jeunes pères de famille qui sont des aventuriers, ça c'est une phrase qui le dit, oui. Explicitement pour les pères, hein. C'est pas du tout pour déclasser les dames. Mais les dames, il y a tellement de choses sur elles, on en parle tellement. Moi j'ai voulu parler aux hommes et je parle aux femmes pour qu'elles aident les hommes à être des hommes. Hein. Et vous savez ce que disait voilà. Sacha Guitry, quand je parle des hommes, j'embrasse les femmes. Oui. Donc quand vous parlez des hommes, vous parlez également des femmes d'une certaine manière. Mais quand même, le point de vue de la paternité, de la virilité est souligné dans le livre. Voilà, parce que... Mais dans son... le père est celui aussi qui normalement fait déboucher la famille dans le milieu politique, je dirais, culturel plus général. La mère aussi, bien sûr, mais il a cette vocation particulière. Et il faut que les épouses aident les pères à le faire. Alors, vous nous parlez effectivement des grands principes politiques, de politique naturelle et chrétienne, du rôle et de la place du père, de l'importance de la famille. Mais vous nous parlez aussi des grandes vertus mettre en œuvre, en exercice. Est-ce qu'on pourrait vous définir de ce point de vue-là comme un... Quand je dis de ce point de vue-là, avec tous ces thèmes que vous abordez, comme un moraliste? Alors, au sens noble du terme. Alors, je l'accepte parce que Jean Digri l'a fait. Alors oui, si ça avait été moi, ce n'était pas suffisant. C'est une confrontation importante. Mais votre avis, à vous. Mais écoutez, on découvre une partie de ce qu'on est en avançant. Moi, j'ai une formation, disons, secondaire, très littéraire. À l'époque, on apprenait des choses jusqu'au bac. Hein, et que nos auditeurs ont connu, ceux qui sont dans les bonnes écoles aussi. Après, j'ai fait 5 ans d'études supérieures scientifiques. Et ensuite, 30 ou 40 ans de philosophie, de théologie. Mais tout en restant soucieux d'être en contact par la lecture des œuvres classiques de la culture. Alors c'est vrai qu'au début, je vous l'avoue, surtout dans ma période agnostique, j'étais vraiment 5 ans, et même au début de mon retour à la foi, la morale, j'en avais lu, je me dis bon, c'est casse-poids, faut passer par là, mais ça ne m'emballait pas. Et en fait, c'est... Non, mais je me disais, c'est casse-poids. Vous n'étiez pas le seul, je crois. Je n'étais pas le seul, je me dis bon, bah... Puis c'était aussi un peu des freins pour ma conversion. Je me dis, si je reviens catho, évidemment, il faudra que j'observe la morale catho. Bon. Mais en fait, ce qui m'a vraiment complètement... Je ne dis pas retourner, parce que ça a été progressif. Hein. Ça a été la lecture d'Aristote et de saint Thomas. La morale, c'est la trajectoire de la nature humaine, vers le bonheur. Et j'étais aussi amené à faire du droit, ce qui était tout à fait pour moi exotique. Et que pour moi, le droit, ça me paraissait vraiment un truc de pinailleur. Et alors, en me mettant dans le droit canonique, pour autant que je pouvais le faire, sans formation spécialisée, dans la tradition dominicaine, j'ai découvert que c'était très grand. Quoi, que c'était vraiment l'expression, dans la diction de la justice, d'une chose fondamentale et ontologique. Donc en fait, c'est peut-être la fidélité, ou l'essai de souci de fidélité à ma vocation de prêcheur et de fondateur, qui m'a amené à approfondir ces domaines-là. Mais je dirais que je suis moraliste au sens de l'abbé Berthaud, hein, l'abbé fondateur de dominicaine du Saint-Esprit, qui était un très grand homme, tout petit physiquement, mais très grand spirituellement, et dont les filles viennent de faire un petit recueil qu'elles m'ont offert gentiment. Et il disait, quand vous prêchez la morale, prêchez le dogme. Et dans la Constitution, il est dit qu'on doit toujours aborder les questions sous leur lumière doctrinale. Et parce que pour moi-même, j'ai beaucoup apprécié les exercices de Saint-Ignace, qui sont un chef-d'œuvre, enfin... Donc une autre spiritualité, voilà, qui m'a ramené à l'œuvre, qui a été l'occasion, l'instrument de mon retour à la foi et de la redécouverte de ma vocation d'enfant. Mais j'ai fondé les retraites du Rosaire pour compléter ça dans une perspective plus thomiste et plus contemplative, insistant davantage sur les ressources de la grâce. Alors, on reviendra sur votre apostolat, si vous voulez bien, oui. Notamment à travers les vocations de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier que vous avez fondée, dont vous êtes le prieur. Vous avez évoqué tout à l'heure notre famille de pensée, et vous venez, enfin ce que vous appelez notre famille de pensée, et vous venez également d'évoquer Aristote et saint Thomas d'Aquin. J'ai été marqué dans la préface de Jean de Vigry d'une critique sous-jacente qu'il a faite, bien qu'assez, avec une cible bien visée, en rappelant à la fois tout le travail effectué par Jean Housset et la rue des Renaudes,
Mais en signalant également que de ce, dans cette partie du milieu, si je puis dire, il y avait une méfiance, pour ne pas dire plus, oui, envers Aristote et peut-être un éloignement. En général, l'approfondissement doctrinal. Envers Saint Thomas d'Aquin. La doctrine était enseignée, mais je ne dis pas qu'on se méfiait de chercher les raisons, mais on passait vite. Et alors, ce que Vigri a écrit là, il me l'avait dit il y a 30 ans. À l'occasion d'autres démarches concernant la crise de l'Église, à propos de ce qui nous devons tant, qui sont la Cité catholique et l'Office international. Moi, je me suis même, à la fin de mon temps laïque, assez affronté avec Jean Gousset et quelques autres, en disant, mais écoutez, faisons de la doctrine et de la politique, et c'était justement les deux choses que nous disait qu'il ne fallait pas trop faire. Alors j'ai beaucoup aimé la façon dont Vigri, dans la Piété filiale, rend hommage et souligne une relative carence qui d'ailleurs s'explique par la personne de Jean Gousset et aussi par le contexte. Oui, on était sous Pie XII et on avait un corpus doctrinal fantastique et peut-être qu'on n'a pas assez appliqué la suggestion que faisait Louis Salleron au conseil éditorial d'Itinéraire. Ne soyons pas trop axés sur le pape, parce que quand on en aura un moins bon que Pie XII, on sera bien gêné. C'est le père Berthoud, c'est le père Calmel qui disait ça. Ah voilà, c'est ça. Mais je crois que Salleron avait, d'après ses fils, une analyse un peu dans le même axe. Alors, moi je rends vraiment hommage à tous ceux qui étaient nos formateurs, mais je crois que c'est en ce sens que je pense que la situation est meilleure pour les jeunes pères ou futurs pères de famille. Il y a un souci la fondation de la faculté institut, l'IPC, c'est juste auquel j'ai indirectement participé en chahutant à la Cato avec mon frère Hugues dit Kérali, c'est 69, la FACO, la FACLIF, donc, et qui a joué un rôle, à mon avis, très très positif dans les 30-40 dernières années, parce qu'elle a fait, parce qu'elle a suggéré, parce qu'elle a impulsé, et je crois que ce n'est pas vous qui allez me contredire, et toute cette ambiance qui peu à peu, petitement, mais au fond, peu importe, ça existe. Un jour, c'est le père Elders qui me disait, bon, un grand homme de Saint Thomas, qui a été professeur longtemps à l'IPC, qui parle cinq langues et qui est un homme remarquable, peut-être un des plus grands aristotéliciens encore vivants, qui disait, c'est vrai qu'on est peu nombreux, mais ça se développe quand même, mais aussi bien en France qu'aux États-Unis. Donc, il y a une prise de conscience et une soif pour revenir aux sources. Oui, ça m'a peur. En même temps, si je puis me permettre de plagier le président Macron, en même temps, comme le signale d'ailleurs aussi Jean de Vigri, il y avait à l'époque de Jean Housset, je reviens au démarrage de Cité catholique du moins, il y avait encore une société qui était solide, avec des assises très fortes. Comment est-ce que vous caractériseriez la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui ? Vous êtes le philosophe, vous devez nous éclairer. Certes. Vous pouvez vous appuyer sur les lumières surnaturelles. Pour moi, le premier problème, c'est le sujet de votre livre. C'est de rester calme, parce que je crois qu'on est vraiment dans une perspective, ce que j'ai dit aux jeunes hier, qui frôle le surréalisme et le déni de réalité. Et je pense qu'une des clés, c'est la négation de la nature, au sens profond, à la fois dans la crise dans l'Église, dans la crise dans la société, l'évacuation des essences, les choses sont ce qu'elles sont. Je le dis d'autant plus que pour moi, c'était le déclic de mon passage au catholicisme. La conversion, c'est la Sainte Vierge, etc., la grâce, la prière des religieuses de la rue du Bac que ma maman avait sollicité. Mais le déclic, ça a été, je me suis dit, bon, si Dieu existe, c'est le catholicisme qui est vrai. Pourquoi ? Parce que c'est là que la vérité est le plus honorée. Et il y a des choses qui ont une nature. Une nature au sens vraiment aristotélicien thomiste, c'est-à-dire qui inclut l'esprit pour l'homme. Et c'est cette évacuation des natures, tant dans la ligne philosophique de Kant à Hegel, jusque même à toute une part, l'essentiel de la phénoménologie de Husserl, d'une part. D'autre part, la crise terrible qui, à partir de 65, ou moins formellement, mais déjà un peu avant, dans l'épiscopat, évacue la richesse, ou met de côté, diminue la richesse des grandes découvertes de la pensée traditionnelle, d'Aristote et de Boèce sur la personne, et dit qu'il faut trouver d'autres concepts, et commence à s'enferrer, soi-disant pour exprimer un dogme qu'on prétend garder, mais qu'en fait on abandonne parce qu'on ne veut plus de la nature et de la personne, au sens thomiste, c'est tout le thème, au sens classique, tout le thème d'un livre qui a été heureusement réédité il y a quelques jours, L'hérésie du XXe siècle. Donc je caractériserais ça comme une société du refus de... société liquide, si on veut dire, au point de vue sociologique, mais avec quand même des points d'explosion à droite à gauche, c'est ce qui explose dans la liquidité, mais qui explose bien. Et puis je dirais fondamentalement...
une société de refus du réel, si vous voulez. C'est Rimbaud au pouvoir, moins le talent, quoi. Oui, moins le talent, effectivement. Moins le talent, parce que j'aime beaucoup Rimbaud. Et je veux dire que j'ai dit dans ma conférence avec sur mai 68, et, en fait, ceux qui ont démoli avaient la culture classique, quoi. Ils avaient fait Normal Sup, ils apprenaient tous le latin, le grec et les grands auteurs, et c'était des grands, souvent des bons écrivains. Ils étaient encore dans une société... Voilà, leurs épigones parlent à peine français, enfin je sais pas, peut-être qu'il y a des exceptions quand même, mais je serais assez sévère, il y a des exceptions bien sûr, brillantes, mais je serais quand même beaucoup plus sévère, ce qui fait qu'ils ont moins d'impact quand même, à mon avis, enfin ils ont un impact plus problématique, ils ont plus cette position dominante qu'ils avaient. Récemment, le professeur Jean Barbet, un peu plus âgé que moi, un grand historien, nous parlait d'un de ses amis venu de l'extrême gauche au monarchisme légitimiste, et il nous disait « Aujourd'hui, les trajectoires intellectuelles sont plus dans ce sens-là que dans l'autre. Voilà. » Contrairement aux années 60 et voilà, 70, effectivement. Et vous êtes quand même conscient que ce mot « nature » est quand même, sinon analogue, au moins très équivoque aujourd'hui, puisque... tout le monde parle de la nature aujourd'hui, ouais, mais ouais. Plus personne ne comprend ce qu'est la nature humaine, par exemple. Tout à fait. Alors, vous l'avez évoqué, mais comment vous pouvez le faire saisir à ceux qui nous regardent, ce qu'est la nature humaine, ce qui est aussi un défi, enfin, vraiment un défi conducteur de cet ouvrage. Ça le traverse complètement. Ouais. Et quand on parle de la virilité, c'est aussi en rapport avec cette nature humaine. Mais comment vous pouvez faire sentir ce qu'est cette nature humaine ? C'est un défi pour les jeunes philosophes, et pour les plus anciens aussi, je crois qu'il y a deux éléments. On ne peut pas se passer d'une tradition, même dans la pensée. C'est un de mes articles. Moi, ça m'a toujours beaucoup frappé, même dans ma période agnostique. Je me disais, la tradition qui aboutit à ce que je vois autour de moi, c'est voir les cathédrales, le grégorien, et puis mon père et ma mère, mes quatre grands-parents, c'est extraordinaire. Ça, j'ai toujours pensé ça. Il faut que les téléspectateurs, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, les vidéospectateurs, se mettent bien dans l'esprit qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont pas la foi ou qui croient ne pas l'avoir et qui sont philo-chrétiens, philo-catholiques. Et ça, on n'a pas le droit de dire, c'est des hypocrites et les repousser, si vous voulez. Il y a une énorme masse de gens. Pourquoi ? Parce que la crédibilité de l'Église, en dépit de nos trahisons, hein, l'Église résiste à tous ses ministres et même à la crise actuelle, crève l'écran, je suis désolé, même aujourd'hui, à mon avis. Moi, je le parle d'autant plus que j'ai fait une étude comparée à une époque où je n'avais pas la foi. Donc, il faut se remettre dans une tradition qui me semble pour nous être la tradition occidentale, sans du tout dénier les grandeurs qu'il peut y avoir chez Confucius ou d'autres, comme je mets bien en lumière un livre d'un abbé chinois qui est sur la richesse du confucianisme, dont Lou, qui est, voilà, il y a des recoupements et des grandes richesses, c'est admirable, on ne fait pas une apologétique du mépris. Mais cependant, et au dire même de nos amis asiatiques, africains ou autres, hier le chauffeur, non pas de taxi, mais d'Uber, qui m'avait offert les jeunes, que je ne prends pas habituellement ce genre de moyens, était tunisien, et le thème de la discussion, c'était ça, quoi. La France, c'est grand, la France nous protège, la France intervient, et nous aimons la culture française. Donc il faut qu'on ait conscience de ça, donc revaloriser cette tradition, la faire découvrir, et c'est là où il y a une part de créativité, parce qu'il faut redonner aux jeunes penseurs, aux jeunes gens qui veulent se cultiver, les moyens de rentrer vraiment dans cette tradition. Alors peut-être que vous qui connaissez bien John Senior et d'autres pour la mentalité américaine ont été une entrée par la littérature, dans cette richesse, cette tradition. Moi, je pense à des gens en métaphysique comme le père Aimonet, certains des aspects de Hadjadj aussi, sur d'autres, certains des textes. Je pense qu'une voie poétique aussi pour faire saisir la pertinence des grandes idées qui ont été données est à réexploiter. Moi, je vais essayer, si je peux, de m'y remettre pour faire dans la métaphysique. Et puis également, au point de vue scientifique, je crois que nous allons faire la critique dans la prochaine revue d'un livre important du professeur Henri Rousseau, dans la ligne du livre de Jean Daujat, Physique moderne et philosophie traditionnelle. Alors, le professeur Rousseau, c'est un homme de très très haut niveau en physique moderne, et très aussi bon philosophe. C'est un livre un peu technique, mais on va tâcher d'en tirer la substantifique moelle, qui montre que la pensée traditionnelle est mieux armée que celle de Descartes et le courant moderne pour, je dirais pas dialoguer, mais
rendre compte, interpréter, mettre en situation les grandes théories modernes qui ont changé le monde. J'étais à la mort de Sartre. Très longtemps écrit un texte que je crois très important, critique sur Sartre, en disant c'est un homme qui était purement littéraire, complètement en dehors de la réalité technique et scientifique, et qui, à l'inverse d'Aristote, a vécu en dehors de toutes les révolutions scientifiques de son époque. Et il citait l'astrophysique, mécanique quantique, relativité. Or, justement, avec Doja, avec Henri Rousseau, avec d'autres jeunes chercheurs, avec le père Gérard Deslauriers, mon père dominicain qui m'a donné la bille, je crois qu'il y a vraiment un nouveau frais, une philosophie de la nature qui peut répondre à des interrogations à une époque où beaucoup de chercheurs et d'ingénieurs sont agnostiques par défaut, quand ils ne viennent pas bouddhistes. Ouais, mais on a encore le scientisme dur et méchant, primaire, mais beaucoup en recul depuis les grandes découvertes du début du XXe siècle. Alors justement, est-ce que cette tradition philosophique auquel vous vous référez peut nous dire quelque chose de ce qu'est la nature humaine, je reviens à ma question de départ, qui aujourd'hui est quand même... autant beaucoup de gens défendent la nature, sont des écologistes, dès qu'on aborde le fait qu'il existe une nature humaine, on tombe dans une remise en question. Surtout avec les prolongations indéfinies, PMA, transhumanisme et les autres dénis de réalité, surréalisme, mais avec des dégâts collatéraux énormes, quoi, plus ou moins gros. Enfin, alors. C'est un peu un défi pour nous de comment communiquer des choses qui sont noir sur blanc dans l'éthique à Nicomaque et dans le péripsuchès. Un jour, je parlais avec un ancien de l'IPC qui avait perdu la foi et qui après est devenu journaliste. J'ai retrouvé, il était en classe avec moi dans le secondaire et il m'a dit qu'il avait retrouvé la foi dans un institut philosophique que je viens de nommer par l'étude du péripsuchès, le traité sur l'âme, les commentaires de saint Thomas. Et il s'est dit, une religion qui dit ça, voilà, ça l'a... Et donc il faut à nous à trouver le problème est plutôt pour nous un effort inductif d'imagination, de créativité, pour trouver les moyens de faire passer. Je suis en train de, quand je relis des choses comme le cours de philosophie de Gaborio, qui enseignait justement au futur prêtre ouvrier à Mission de France, il a fait un cours de philosophie remarquable dans les années 60, il y avait vraiment un renouveau du thomisme dans un sens de prise en compte des réalités en face de nous. Alors, disons, pour simplifier, je dirais que l'homme est une nature qui... c'est-à-dire que l'homme a une réalité précise, c'est le premier point. Et je pense qu'on peut d'abord faire comprendre un peu comme les grands principes, que par l'absurde, c'est que si on nie ça, c'est la fin. Moi, je vous flingue tout de suite. D'ailleurs, quand j'étais agnostique, c'est vous me dire, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas m'ennuyer à devenir un bourgeois qui gagne de l'argent, qui s'ennuie et qui crève. Si je ne retrouve pas la foi, soit je me suicide, soit je fais du terrorisme. Bon, deux solutions qui manquent d'élégance et que je n'ai heureusement pas choisi. Mais je me posais vraiment le problème. Je ne vais pas dire. Non, mais vraiment, vous voyez, il faut, parce que c'est très ennuyeux de vivre quotidiennement sans du tout de profondeur, quoi. Donc, pour revenir à cette équation, l'homme est une nature qui comprend l'esprit, qui est donc quelque chose de précis, mais en le regardant, parce que la vérité vient souvent vient de l'observation, on s'aperçoit qu'il y a des constantes dans son agir, qu'il agit pour un bien, qu'il cherche, etc., et que l'étude de ce qu'il a fait dans l'histoire peut nous aider à comprendre, à remonter au noyau dur, qui est d'être un corps et une âme, et en observant de près, on s'aperçoit d'ailleurs... La psychologie moderne va plutôt dans notre sens, que ce corps et cette âme sont unis d'une façon tout à fait spécifique, quoi, qu'on ne peut pas déconnecter, ce qui fait que dans le corps de l'homme, il y a un message de la pensée. Et que Ratzinger le disait dans une très belle conférence 89, la grande crise de la théologie morale, c'est qu'on oublie que la création, que la nature n'est pas qu'une émission mathématique et astrophysique, si on veut, ou microbiologique, mais aussi un message de sagesse de Dieu. Donc ça, c'est du point de vue de la théologie de la création. Et je pense qu'il faut... Peut-être que certains des balbutiements de certains qui vont vers des formes un peu encore honnêtes d'écologie haute, c'est de retourner dans l'enracinement, etc. C'est un peu une intuition comme ça. Il y a un message dans ce que je suis et dans ce qu'ont fait mes parents par rapport à moi. Et donc, leur faire sentir que, voilà, que si on arrive à affirmer que l'homme n'est pas une chose précise,
on revient non pas à la barbarie, mais on revient au néant, quoi. C'est ce que disaient Maritain et Madiran en 66-68. Et donc je crois qu'il faut l'affirmer fortement, et pour les chrétiens, ne pas hésiter à dire, et comme chrétien, ou comme créationniste au sens philosophique du terme, nous ne pouvons, nous ne transigeons pas, quoi. C'est comme ça, moi, je pense. Alors revenons un peu à des thèmes évoqués dans votre, oui, dans votre livre. On ne pourra pas tous les aborder les uns après les autres. Je signale juste que, puisque c'est aussi une invite pour ceux qui nous regardent à se procurer le livre et à le lire, mais que selon Jean de Vigry, donc dans sa préface, certainement le plus beau des chapitres est celui sur le mystère de la femme. Mais je ne vais pas vous faire parler de celui-ci, j'invite les lecteurs et les lectrices donc à se procurer le livre, mais il y a deux points que vous abordez notamment, c'est la virilité d'une part, et par ailleurs les questions de force et violence. Oui, tout à fait. Qui sont deux points aujourd'hui effectivement qui peuvent assez étonner. Pourquoi est-ce que cette notion de virilité, vous l'abordez? Pourquoi ça vous semble si... Là, je dirais que si important. Pour moi, ça a toujours été important, depuis tout petit. voilà, parce que je suis né dans une époque où les hommes et les femmes étaient différentes. Hein. Ils sont toujours, bien sûr. C'est pas qu'une question d'époque, justement. Non, c'est pas une question d'époque. Mais il y a aussi une démarche inductive. C'est-à-dire que je suis prêtre depuis 41 ans, et toute une part de mon apostolat, c'est des adolescents, ou plutôt des étudiants, des jeunes hommes, quoi, des jeunes femmes. Et je me suis aperçu que ceux qui prient le prix le plus fort du mélange des genres, d'éducation mixte à tous les niveaux, et puis du faux féminisme qui finalement est pénalisant pour la femme, qui est répandu partout, au point de vue du choix des professions, de la façon de s'habiller, de la façon de s'exprimer, et bien sont les hommes. Et j'ai été très frappé par une vieille couverture de famille chrétienne où on voyait une superbe minette avec son portable et tout, très grande, et puis un petit bonhomme bien habillé à côté comme ça qui la regardait, et le sous-titre: messieurs, vous allez découvrir ce que c'est que d'appartenir au sexe faible. Donc c'est... l'homme est devenu le voilà. sexe faible de notre société. Si vous voulez, c'est cruel, mais mon expérience de prêtre, et ça me peine beaucoup, c'est que nos adolescents, nos jeunes hommes sont troublés, je pourrais citer des centaines d'anecdotes, et je trouve que c'est honteux. C'est honteux, je pense que la femme qui est un être de compassion doit avoir, j'ai cette grande dimension de la compassion, je serais une femme, je m'habillerais comme une femme de façon différente, je choisirais une profession plutôt féminine, parce qu'elles peuvent tout faire, elles sont aussi douées parfois plus que nous dans certains domaines, mais là n'est pas la question. On manque de... Un de mes amis me disait récemment, on va peut-être fermer certaines écoles parce qu'on n'a plus de professeurs. Il y a toutes sortes de professions merveilleuses. Pour moi, le professeur, c'est le sacerdoce, oui, naturel, le maître. Voilà. Alors que le choix des professions, évidemment, elles peuvent faire de la gestion, elles peuvent être des RH et tout. Quelquefois, pour la souffrance des hommes qui sont en dessous d'elles, parce que quelquefois, ça rigole pas. Mais je veux dire, ben, d'accord, elles peuvent tout faire. Bon, ça y est, elles l'ont prouvé. Si elles arrêtaient, ce serait bien, à mon avis, qu'elles fassent tout, peut-être. Vous allez entraîner des réactions multiples avec cette affirmation. Non, mais c'est une boutade. Hein, c'est une boutade, d'autant plus que j'ai conscience que dans beaucoup de cas, le double salaire, etc., surtout si on veut éduquer des enfants, donc j'ai aucune recette. Mais ce que je dis, c'est qu'elles pensent bien que si elles ne sont pas femmes dans leur trajectoire, dans leur façon d'être et tout, l'homme ne sera pas homme. Et elles ont la maternité, elle est avec elles, elles portent l'enfant en elles. L'homme, c'est un être de symbole. Il a donc besoin que la femme l'admire. Un jour, je disais ça dans une réunion, une dame me dit: mais mon père, je ne vois pas ce qu'il y a d'admirable dans mon mari. Je dis: madame, vous êtes mariée depuis 25 ans, ben, il vous supporte depuis 25 ans. C'est une réponse à la Chesterton, ça. Tout à fait. Et je pense tout à fait, l'homme a besoin de ce regard d'admiration, et a besoin d'être celui qui est reconnu comme... Dans les cas où on n'arrive pas à une conciliation amiable... Ce qui est rare, surtout si la femme est très féminine, bon, qui est celle qui crée, c'est la reine du foyer depuis 12, et bien c'est lui qui doit décider. Que devant les enfants, on sente que c'est lui qui a cette dimension-là. Alors, l'époque du machisme, me semble, au moins en France, un peu lointaine, elle existe peut-être encore, mais justement, dans le christianisme, on a un modèle de père qui est à la fois viril, mais donc celui qui dit la loi, qui marque les limites. Mais je pense que ça, c'est tout à fait capital pour... Et comment réapprendre à nos jeunes gens, à nos adolescents, à nos garçons,
à retrouver au-delà. Il y a effectivement le rôle de la femme, oui, le rôle de la mère, le rôle de l'épouse, le rôle de la fiancée même. Oui, mais bien avant, comment... Alors d'abord, il faut soutenir les écoles où il y a une partie de la scolarité qui est non mixte. Et il faut faire... Moi, ça a été d'autant plus amusant que je n'étais pas un pro-scout gigantesque quand j'étais jeune. Pas anticonformiste. Maintenant, pas anticonformiste, je suis... Et pour d'autres raisons beaucoup plus sérieuses, je vois les bienfaits du scoutisme. Mais il faut, je pense, que le scoutisme, la route aussi, ce que le connaît un peu plus près... les sports où les hommes sont entre eux, comme les sports de combat, les chorales où il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et puis j'ai découvert, après avoir lancé mes différentes bouteilles à la mer, qu'il y a différents... Monseigneur Ray me parlait d'une activité où les hommes se retrouvent entre eux, font des camps, font du tir, font des choses comme ça. Et récemment, à la signature de livre à Villepreux, un monsieur m'a dit, mais vous savez, nous avons... pas une very pride, mais enfin quelque chose comme ça, quoi. Il y a quelque chose, je pense que c'est très important qu'il y ait des temps où les hommes soient entre eux, ouais, soient entre les jeunes, les garçons, j'ai un jeune prêtre de la fraternité Saint-Pierre fait une retraite qui s'appelle Estovir, soit un homme. Alors c'est une retraite, on marche autour d'un lac, après la période la plus froide, en prenant, en portant tout sur le dos, et c'est très, voilà. C'était lui qui m'avait demandé la biographie, c'est la biographie. Enfin, la bibliographie qu'on trouve à la fin de cette... Et puis aussi se dire qu'il y a un enjeu, si vous voulez, si on n'a pas cette prise de conscience et ce début de réaction maintenant, on ne va pas rattraper les choses, quoi. Parce que le papa poussette, comme disait Buisson, ben, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, bien sûr, on n'a plus de personnel de maison, bon, il y a des choses à faire. Mais je pense qu'il faut dès maintenant se donner le moyen de le faire, parce que après, vraiment, on sera vraiment dans notre société. Oui, mais c'est ce que vous dites est en plus confirmé par tous les psychologues qui, de plus en plus, attirent l'attention sur le danger de ces disparitions, de la spécificité du père, et mettent en garde. Et donc, nous avons toute une tradition naturelle et chrétienne qui réaffirme bien cette place de l'homme. Voilà. Et cette complémentarité entre l'homme et la femme, cette complémentarité qu'on ne veut plus voir finalement aujourd'hui, oui. On veut façonner. Et quand on parle, ça revient au titre qui est en fait un peu par le courage de la paternité. Vigri fait une petite allusion un peu. Ça plaira surtout à ceux qui ne sont pas courageux mais qui croient l'être. Bon, peut-être, mais en tout cas, il faut accepter la solitude. Tout chef doit accepter une part de solitude. Et parce que maintenant on est tellement dans un fusionnel liquide qu'on cherche à être aimé, si vous voulez. Et cherchons à être aimé, mais comme le dit l'abbé Berthaud ou André Charlier, quoi. C'est-à-dire en faisant bien de la personne. Justement, vous signalez cette société liquide et le fait qu'on est dans un rapport très fusionnel aujourd'hui. Et justement aussi aujourd'hui, les catholiques ont un rapport avec la force, avec la vertu de force et la violence. Très féminisé également. Très féminisé, oui. Est-ce que c'est pour ça que vous avez abordé cette thématique ? La thématique de... Là, je l'ai abordée au lendemain des... Avant le grand attentat, là, Bataclan et compagnie, j'avais préparé des textes de la violence du Coran, de les hadiths et puis la sirate, pour les donner à mes frères qui l'aient dans la poche pour discuter. Et puis, je les ai publiés sur la suggestion d'un journaliste. J'avais fait une publication pour être à disposition de tous et ainsi de revaloriser aussi des discussions avec des officiers. L'un d'entre nous s'est entendu dire une fois par un officier, la guerre c'est un péché mais il est nécessaire, quoi. Et moi j'ai été frappé une fois à une discussion entre un colonel de Légion et un prieur bénédictin, et je me disais, le plus viril c'est le prieur, quoi. À ce point-là. Ça va jusque-là, oui. Oui, bon, c'était il y a 30 ou 40 ans. Bah justement, je ne donne pas le nom du régiment, ni le nom du prieur, mais les gens cultivés. Oui, si on voit, on voit assez bien, et vu qu'ils vous parlent. Et je pense qu'il y a un effort. En fait, pour moi, c'est un manque de charité. De même que l'absence de prédication des fins dernières, on ne veut pas faire la charité de la force. Ouais. Et là, c'est grave, parce qu'alors le faible va être livré au fort violent, quoi. Parce que la violence, c'est là. D'autant plus qu'il y a moins de communication, moins de logos, moins de culture. Donc, quand on n'arrive pas à parler, on est violent, quoi. Et donc, s'il n'y a pas d'une part en amont une éducation et en face de la délinquance, la sanction, mon père Petit-Clair disait c'est le premier droit du délinquant, la première infraction. Lui, c'est
un éducateur salésien, et c'est très bien vu. Donc si on a peur d'exercer cette charité, je pense que dans la crise aussi de la gestion des affaires de pédophilie, ou plutôt, disons, beaucoup d'éphébophilie dans l'Église, je ne jette pas du tout la pierre, hein, parce que les médias sont d'une partialité révoltante là-dessus, mais c'est vrai que le pasteur peut être tenté, et par la non-application du droit et des sanctions, de ne pas agir, parce que, je dirais, il y a les droits infinis du malfaiteur. Enfin, je suis vraiment frappé de ça. Quand on approche ces affaires-là, on s'aperçoit qu'il faut à tout prix, copiant une justice civile procédurière qui met 3 ans à juger des choses qui autrefois passaient en 1 semaine, hein, je fais référence à des cas précis, alors on copie ça et on bouge pas. Et là, je pense que je n'ai pas eu tout la pierre pour des cas particuliers, c'est évident. Hein, pas. Mais je pense qu'il y a cette crainte de la sanction. Oui, on fait prier le jeudi saint pour les prêtres qui sont partis se marier. C'est pas ce qu'on fait de mieux, si vous voulez. Ou toutes sortes de choses comme ça. Et je pense que là, il faut une réaction en se disant, je dois être un peu mal vu, j'ai accepté d'être mal vu pour faire le bien, quoi. Et sinon, je suis un égoïste. Je suis un égoïste parce que je préfère rester dans mon rapport fusionnel plutôt que... Voilà, vous venez de admirablement montrer que le paradoxe apparent de votre titre n'est qu'apparent, justement, et qu'effectivement, tous les thèmes que vous abordez dans cet ouvrage sont à la fois d'actualité, enfin, nous concernent tous, hommes et femmes, et nécessitent justement que nous plongions dans ce livre pour y trouver des voies et des indications pour faire face à la réalité. Dans toutes ses spécificités. Un mot, mon père, parce que nous allons achever cette émission. Comment se porte aujourd'hui la fraternité Saint-Vincent Ferrier que vous avez donc fondée en 1979? Eh bien, disons qu'elle se porte bien. Les chefs d'entreprise diraient que c'est un développement maîtrisé, parce que notre recrutement n'est pas énorme. Vous avez une maîtrise du langage. Mais non, j'aime bien ce mot-là, parce que c'est ironique. Non, disons que oui, ce qui est important, c'est que les officiers savent bien qu'une clé des victoires, c'est les sous-officiers. Alors, je n'ai pas une comparaison méprisante par rapport à mes pères, loin de là. Mais je pense que la deuxième génération est formée pour les plus anciens, les 3 pères plus anciens, est en train de se former pour, en particulier, notre équipe de communication et de financement, qui est très remarquable. Et donc, une œuvre commune comme la construction de l'église, l'achèvement du couvent, a beaucoup fédéré le couvent. On aspire à la fin qui arrivera justement, oui. En septembre, normalement septembre-octobre, on devrait avoir fini la crypte et clore le « Des pierres qui prêchent », donc un épisode de 5 ans, qui a été à la fois un peu éprouvant pour l'UNER, mais en même temps très intéressant pour une vie apostolique. Alors moi, étant un ancien coutumier de méthodes très différentes, j'étais réticent au début sur l'emploi justement de toutes ces caisses de résonance, ce buzz internet presque continu. Et puis pour soutenir les plus jeunes, j'ai marché, je ne le regrette pas, parce que c'était très apostolique. On a fait aussi des instruments d'apostolat, et on a plein d'idées pour l'avenir, aussi bien au point de vue apostolique que, enfin surtout au point de vue apostolique d'ailleurs, qu'intellectuel. Donc je crois, oui, on peut dire. Et on a en perspective aussi, d'ici l'automne prochain, la fondation d'une branche féminine, donc Communauté Sainte-Catherine de Sienne. Ah, il y a même un nom qui a été... Voilà, le nom est trouvé. Et le nom est trouvé. Donc c'est très intéressant aussi. C'est une excellente nouvelle, voilà. Ça permet aux fondateurs de cultiver l'art d'être grand-père d'une certaine façon. Le courage d'être grand-père. Oui. Merci beaucoup, mon père, pour votre présence dans Paroles de vérité. Je pense que c'est un titre qui vous conviendra. Nous vous recevions aujourd'hui donc pour Le courage de la paternité, un livre que vous venez de publier aux éditions Dominique Martin Morin en coédition avec le Cédès Sapientier. Cédès Sapientier, on n'a pas dit un mot, mais c'est la revue que... Notre revue trimestrielle de culture générale, qui aborde des sujets politiques, théologiques, et beaucoup de choses d'actualité, des recensions, et en général des recensions critiques, fouillées. Fouillées, oui, au sens critique. Par exemple, le dernier numéro, qui est arrivé hier chez certains, comporte une analyse très à la fois louangeuse et critique de la biographie de Don Gérard, voilà, de Yves Chiron. Voilà.
Donc c'est le genre de choses qu'on fait. Et également pour la question de l'interprétation du concile ou bien des choses comme ça, on va continuer, ou de certains textes difficiles du magistère plus récent. Voilà. Merci beaucoup mon père. C'était donc Parole de vérité, une émission des éditions de l'Homme Nouveau. Nous recevions aujourd'hui le père Louis-Marie de Blinière, fondateur et prieur de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier.